Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une analyse de clip, je sens qu'on va se taper une barre. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, j'ai décidé pour vous d'analyser le clip de Eva Mood. Oui, Mood. Alors oui, Mood, voilà, c'est un délire un petit peu chelou, on va dire. Mood signifie en français ambiance. Vous allez voir pourquoi, elle parle tout le temps de son ambiance, qu'elle est dans son ambiance. Bref, vous allez comprendre le clip. En analyse. Alors aujourd'hui, nous avons une musique qui se veut un mélange de poésie urbaine au rythme afro-ton pop dancehall. Eh ben, je pensais pas que c'était possible d'avoir autant de rythme dans une seule chanson. Enfin, c'est possible d'avoir autant de genres dans un même truc. Bon, bref, vous allez voir la vidéo. Attends, on va commencer tout de suite. C'est quoi ça? C'est une transition ratée, voilà, c'est une transition ratée qu'on a foiré, on a voulu commencer le clip comme ça. Non monsieur, non, je dis, vous sortez. Ça sort, ça dégage, ça sort, ça bouge ton cul direct maintenant. Oui parce qu'on veut pas se mentir, un clip qui se veut professionnel, on ne loupe pas une transition pareille. Surtout si flagrante. C'est chaud quand même. Alors là, je suis désolé, j'interviens beaucoup au début de la vidéo, mais c'est juste pour mettre en contexte. Là, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est un film ou un clip musical? Parce qu'il y a marqué en gros un film de... Alors déjà, on ne fait pas un film, c'est un clip musical. Et j'ai vu le clip, hein, vous extrairez, vous, enfin, il est beau, ok, certes, mais c'est pas un film non plus, faut pas déconner, faut se calmer. Un moment ou autre, voilà. Enchanté, Bycris, influenceur sur YouTube, Instagram, ça dépend des fois. C'est tout, voilà, d'accord. Bon, au niveau des paroles, on va commencer à se calmer, là. C'est pas très recherché. Salut Eva. Sérieusement? À ce point-là, tu sais pas qu'on sait que c'est toi dans la musique. Mais bon, on sait jamais, hein, quand même. Alors voilà, là c'est vraiment le moment où on va commencer un petit peu à analyser la chose, ma foi, très sympathique. Le refrain, alors le refrain, ok, elle est dans le mood, c'est sympa, c'est cool, elles sont entre copines. Et ben justement, parlons-en de ces copines. À partir de quel moment ça commence à être logique si elles sont tous sur leur téléphone et qu'il n'y en a aucune qui regarde la caméra? Après le pire, c'est qu'elles sont même pas accordées. Il y en a une qui a son téléphone qui est en train de se prendre un selfie, on sait pas pourquoi. Il y en a une autre... Ok, c'est pas ce qu'elle fait. Et les autres, bah voilà. Ok, je peux comprendre, vous avez sûrement un délire dans Insta, un truc comme ça, on le verra notamment après de la chanson, elle le dit qu'elle parle d'Instagram, mais voilà, moi j'ai juste une question. Pourquoi déjà vos délires de tout en blanc? Ok, vous voulez trop opérer, vous voulez déconnoter, bon, ok, pas de soucis, y a pas de problème, c'est une bonne technique de directeur artistique. Bref, mais faut vous mettre d'accord les filles, y en a une qui regarde la caméra, l'autre qui regarde pas, l'autre qui fait en train de faire un selfie, l'autre qui est en train d'être en train de téléphoner. Pourquoi? Vous comprenez le délire? Vous savez même pas déjà gérer ce truc là. Y a des figurants. Mais ils sont même pas tous d'accord. Alors là, faut arrêter, clairement. Ah bah voilà. Je me disais bien qu'il manquait un petit truc à ce clip. Je me disais, y a un truc trop parfait. Y a un truc, c'est on me l'a pas envoyé juste comme ça pour le déconner. Eh bah voilà, on a trouvé les stars de l'altéralité. Parlons-en. Alors oui, parce que là, je pense que... J'ai ma petite théorie. Je pense pas que la fille connaît tous ces stars de l'altéralité. Je pense qu'il y a un budget qui a été prévu en amont. Donc il y a pour le clip, pour la partie com et pour la partie célébrité. Bah oui, parce qu'autant avoir un maximum d'impact sur le clip, autant faire un appel aux influenceurs de demain qui acceptent tout et n'importe quoi pour un pognon à partir du moment qu'ils peuvent vendre leur cul. C'est vrai. Oui, parce qu'au tout de, pendant tout le clip, vous allez voir des stars de télé-réalité qui vont apparaître, qui vont faire la petite danse, et c'est tout. Et c'est tout. Y a rien. Vous extrañez pas, y a rien. Ah si, parce qu'attends, on va pas se fouler le cul, on va embaucher les petits chèques derrière, et on va pas se prêter le cul. Oui, ils font ça sur Snapchat. Et comment je sais ça? Comme ça, c'est tout. Y'a que sur Snapchat qu'on a des filtres de merde pareil. Hein. Oui, mais en plus, ils ont pas fait chier. Ils ont filmé tous en mode portrait. Et ils ont envoyé le rush à la prod. Vous vous démerdez avec ça. Merci pour le chèque. Voilà, c'est tout. Ça s'est passé comme ça. Moi, ils auraient pu au moins souffler le cul et aller en personne sur le clip. Là, ça aurait pu être bien. J'ai eu beau chercher pendant des heures et des heures sur internet, j'ai pas compris c'était quoi le délire de ce symbole là. Alors c'est peut-être remettre sa main derrière les cheveux ou un truc chelou avec ses doigts, je sais pas. Y'a un truc avec la main que tout le monde fait. Faudra m'expliquer parce que moi je n'ai pas compris. Enfin c'est un délire peut-être. Moi ok d'accord, la dernière fois je me suis fait niquer quand j'ai fait l'analyse du clip d'Arouf Gangsta. Je me suis fait avoir, voilà, c'est le signe de PNL. Ok, y a pas de soucis, je peux comprendre, je savais pas, ok, autant pour moi. Mais là, j'ai eu beau rechercher, analyser 20 000 clips, j'ai pas trouvé la seule cohérence. Je comprends bien qu'ils vous font une sorte de copyright, tous les rappeurs et trucs comme ça. Bon, même si c'est pas une rappeuse,
C'est plus un délire dancehall, afro-trap, afro-tron, pop, dancehall. Mais moi, je sens pas que c'est crédible ce truc-là. Bon, le pire, je crois, le pire dans cette chanson, je crois que c'est le moment où elle répète le mot foi. Mood, au moins 46 000 fois dans sa chanson. Bon, j'exagère un petit peu, hein, j'ai pas compté non plus, mais bon. Beaucoup de fois. Surtout qu'au bout d'un moment, tu comprends plus le délire. Tu dis mood, c'est son ambiance, c'est dans son ambiance. Elle le répète tellement de fois dans son refrain. Tu te dis, elle s'est pas foulée le cul. Elle a kiffé mood, elle a kiffé le mot. Et voilà, c'est dit, vas-y, je fonce là-dessus, c'est mon mot. Je kiffe. C'est mon mot, je bougerai pas de ce mot-là, c'est mon mot. Bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Hein. Je comprends bien que c'est compliqué d'écrire de plus en plus, mais s'il vous plaît, pétez-vous le cul un petit peu pour juste le clip. Juste au moins les paroles. Pétez-vous le cul pour les paroles, le clip, je m'en fous. Mais pétez-vous le cul pour les paroles. Au moins, c'est juste ça. Parce que après, comme ça, si le clip il est pourri, moi je pourrais quand même t'aller sur quelque chose. Oui, bah parlons-en du clip. Et bah, il est pas mal. Je vais pas mentir, c'est une prod, ça se voit que c'est une prod qu'il a fait, ils sont pas dégueulasses. Il y a quelques petites incohérences par-ci par-là, mais en soi l'image est pas dégueu. Bon, il y a 2-3 trucs que j'ai pas trop compris, mais bon. Ce truc que je trouve qui dénote complètement du clip, c'est les stars de télé-réalité. Elles ont été payées pour ça, à mon avis, pour essayer d'apporter une influence au clip pour qu'il fasse monter. Mais c'est moche! Désolé, mais c'est moche! C'est moche! À partir de quel moment tu passes un clip super joli, super bien filmé, où il y a un minimum de colorimétrie, à des trucs filmés sur Snapchat? En portrait, le pire c'est que vous mettez le truc normal et le flou derrière, comme moi j'ai l'habitude de faire pour mes vidéos. Non, 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 non. Au pire des cas, vous leur demandez de faire un vrai truc, vous les amenez tous sur un studio sur Paris, vous leur faites, je sais pas, un truc spécial pour eux. Vous leur demandez pas qu'ils se filment sur Snapchat. C'est complètement débile. Et c'est moche, désolé, surtout qu'on a des filtres Snapchat de merde qui sont incrustés dans le clip. Oui, mais tu peux comprendre, c'est le délire du clip. Non, non, là, là j'ai pas compris, c'est pas le délire du tout. À partir du moment où tu fais un clip de A à Z et que tu veux qu'il soit bien, tu fais pas de la merde. Passons un petit peu à la musique. Bon, en soi, je suis pas non plus un fan à contester de ce genre de musique. Mais ça se laisse écouter, c'est un truc que, voilà, que je pourrais me permettre de danser dessus. Avec 3 grammes d'alcool dans le sang, on va pas se mentir, mais bon. Bon, bref, je vais pas être méchant 2 secondes. Le clip est, en soi est beau. Hormis ce que j'ai pu dire avant par rapport aux stars de télé-réalité, c'est normal. Mais la musique se laisse écouter, il n'y a pas réellement de problème à proprement parler. C'est juste qu'au niveau des paroles, c'est pas extrêmement recherché, même si ça se veut comme poésie urbaine. Connu mieux comme poésie urbaine. Hein. En attendant, tu peux confondre avec. Tu peux écouter du Nekfeu ou n'importe quel style de rap un peu plus connu qu'actuel. Je pense que les paroles sont un petit peu plus recherchées. Je pense oui, fortement. Ou Eddie de Préto, tiens, c'est pas mal, Eddie de Préto, c'est bien recherché. En tout cas, les gens, j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas, donc, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'analyse d'autres clips, me le faire savoir, évidemment. Vous m'invitez sur les réseaux sociaux, vous m'envoyez un petit message Instagram si vous voulez pas que tout le monde le sache. Vous me dites, t'analyses ça, 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 c'est cool, ça peut être bien. Voilà. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.